Salut à tous et bienvenue sur Mordheim pour un nouvel épisode avec les sœurs de Sigmar. Donc pour le moment, on en est toujours sur du sans faute, hein, 100%. Et on a un super ratio hein, pour le moment. Donc voilà, bon, pour le moment, tout roule. Donc là, ça commence un petit peu à barder. Enfin, ça commence à barder. Non, je suis large en termes de pierres magiques. Il me reste encore 2 jours. Mais voilà, il me reste 152 pièces. Bon. Alors, où on en est? On va... Oui, on va... Dans la dernière partie, j'ai affronté des morts-vivants. J'avais gagné. Et j'avais eu pas mal de chance d'ailleurs, donc ça c'est cool. Donc du coup il y en a certains qui en ont profité pour EP un petit peu. Donc du genre, voilà, Esther, donc je lui donnais plus 1 en force. Parce que l'objectif est de lui donner... attends. Voilà, là pour le moment elle a maîtrise de l'armure niveau 1, mon objectif est de la passer niveau 2. Donc voilà. Alors, hop. Voilà, donc il faut 12 en force, donc il faut que je lui augmente sa force d'un côté et son intelligence de l'autre, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc force et intelligence. Voilà qui est fait. On applique. Hop là. Donc voilà pour elle. Ensuite, l'augure. Donc l'augure, je lui donnais plus ça en agilité. Et plus ça en capacité de combat. Parce que c'est vrai qu'elle a du mal à taper, à toucher quand même. Hein. Donc voilà qui est fait. Ensuite... Mishmoul, donc le prêtre d'Ulric. Le prêtre d'Ulric, je lui ai donné plus 1 en endurance, toujours. Continue, hein. Et continue à maxer également l'intelligence. Voilà. Voilà qui est fait. Je lui ai donné la hache Ulricane à deux mains que j'avais trouvée. Histoire qu'il fasse plus de dégâts. Donc l'objectif c'est qu'il mette un coup. Ah dommage, il va lui en manquer un. Par exemple, voilà, qui met un premier coup, un deuxième coup, qui change d'arme et qui se protège avec ça. Parce que là, actuellement, et voilà, il a 10 en esquive, c'est... 10 en esquive, c'est vraiment, c'est rien du tout, hein, pour le coup. Donc, voilà. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, la contrebandière qui avait cartonné... Qui avait pris 10 points d'un coup. Donc elle, je vais lui donner donc en premier l'agilité. Voilà. Et le commandement. Et la précision, tiens. Hop, voilà, j'applique. Sachant que je vais donner l'épée violette que j'avais trouvée. Donc du coup, elle va faire quand même pas mal de dégâts. Mais elle ne va pas jouer à ce tour. Hein. Voilà, je vais essayer de faire... J'hésite soit à faire la quête, soit à faire une difficile. Et une difficile, très clairement, c'est pas pour une débutante, quoi. Donc, quoi d'autre? Oui, donc l'autre contrebandière. Donc l'autre contrebandière, on va lui donner plus ça en agilité. Voilà. Ce serait pas mal que je le retrouve mieux hein, comme objet, parce que franchement, j'ai que du blanc quasiment. Que du niveau normal et honnêtement c'est pas top top quoi. Enfin bon. Enfin je compare par exemple à ma bande de Skaven. Très clairement ouais je suis un peu à la ramasse niveau objet quoi. En même temps avec les Skaven c'est beaucoup plus simple aussi, c'est normal. Donc voilà. Ensuite
Donc la novice, je vais lui donner plus ça en endurance, parce que ouais. Voilà qui est fait. Ensuite, elle, je vais lui donner plus ça en intelligence. Voilà qui est fait. Elle, plus ça en capacité de combat. Voilà. Elle, je vais améliorer sa force. Qu'elle puisse passer assise histoire de pouvoir porter plus. Et l'autre sœur, Pop. Ouais, je crois que je vais la passer assise aussi, hein, en force. Ouais, comme ça elle pourra porter plus. Au cas où, voilà qui est fait. Donc voilà, normalement j'ai EP tout le monde. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc voilà, donc soit je fais la quête, soit je fais. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Mauvaise moyenne. Moyenne mauvaise. Et là, bonne moyenne. Oh, je le sens bien, tiens, celle-là. Hop. Yourself alone in what was a residential district, you spread your warband to ransack the nearby houses. Ok, donc c'est moi qui suis un petit peu dispersé dans la zone. An enemy warband arrives, ready to attack your dispersed forces. Alors. Ah ouais, d'accord. Et j'affronte bah, des scavens, justement. Alors. Ok, donc ils vont tous être là. Ok, donc il y a une partie qui va venir par là, et il y a une autre partie qui va venir par là. Alors, j'en récupère 9. Bon, je vais vous. Ça risque de prendre du temps pour le déploiement, malheureusement, dans ce genre de map. Donc je vous épargne ça. Je mets en pause. Voilà, c'est bon, donc c'est reparti. Alors, comment je me suis mis? Donc je me suis divisé en deux groupes. Donc l'objectif va être potentiellement d'arriver à cette baraque. Voilà. Donc eux, ils vont essayer de récupérer tout ça. Et ça, et peut-être passer par là. Bon, je suis peut-être un peu trop ambitieux, hein. Parce que mine de rien, ils vont arriver vite, les scavennes. Donc là, elles vont cavaler par ici. Voilà. Et elles vont se caler peut-être probablement là. Donc voilà. Voilà. Donc. Voilà où on en est. Alors, on commence. 63 couronnes d'or. Ça commence pas mal. Et ok, et je suis bloqué par ma propre pote. Tout va bien. Ok. Je retarde.
parce qu'après tout, je suis bloqué. Mais je vais devoir re-retarder derrière. Bon, j'ai fait un petit loupé. C'est pas grave. Voilà, pareil, on retarde. Alors, toi, t'es là. Et t'as un truc là, hop. Champignon, bonnet de fou, ok. Bon, ça doit coûter dans les 10 balles, je crois, 10 pièces. Hop, voyons voir, est-ce qu'on voit quelqu'un? Non, on voit personne. Là, c'est trop évident. Ok, pour le moment, je me mets là. Quoique, attends, j'ai l'impression qu'on peut pas bouger une fois qu'on est là. Attends. Alors. Ah bah voilà! On en a déjà un. Il a deux armes. Ok. Hop, je me mets juste en fin de tour. Hop, un fragment. Alors, effet négatif du warp. Coup d'essor plus 1. Tombe bien. J'ai pas de sort. Ok, re-effet négatif, moins 15 pour grimper, sauter, etc. Encore une grappe. Encore un effet négatif. Et coup d'essor plus 1. Ok. Antitoxine, violet. Bon, ça peut peut-être valoir le coup, oui. Hop. Petite torsion de la cheville. Hop. Voilà.
C'est pas grave. On va laisser tomber avec elle. Voilà. Alors, voilà pour Sigmar. Ok. Hop, on reste là. Ok, donc toi... Et merde, je ne l'avais pas vu. Oh joli, 6. 6 et j'en ai que 3. Et bah, elle va venir avec moi, le Pendragon. Essayer de ramasser tout ça. Alors, Agathe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'y a personne ici pour le moment. Hop. Ah ok, ils sont deux maintenant.
Voilà. Hop. Hop, non. Hop, il est où? T'es là. Voilà. Réussi, pas de malédiction, s'il te plaît. Nickel. Hop, on recule un petit peu. Voilà. Hop, on reste en groupe. Toi. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis en haut, lui? Alors, froid hivernal sur L. Pas de malédiction, s'il te plaît. Très bien. Voilà, pareil. On est bon. A new round has started. Alors, non, toujours rien.
Voilà. Tu vas rester caché. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Cadeau, moins 41. On va pas réussir à charger d'ici. Eh bah si. Ah, piège de poudre noire. Il me charge quand même. Moins 48, d'accord. Donc il s'est pris un moins 48 et un moins 34 dans la gueule. Hop, donc le général et son adverse est un peu parti au casse-pipe, hein, un peu en mode tranquille, en mode yalla, quoi. Donc, bon, bah... Hop, on le tape, moins 25. Moins 25. Alors, en passive, charge de taureau. Dommage. Hop. Hop. Toi, t'es là, toi. Un autre là-haut. Hop. Donc, lui, il est là. Hop. Voilà. Au cas où, il y aurait quelqu'un. Bah oui, riposte, hein, tant qu'à faire. Voilà, moins 27. Ah, loupé. Alors, Pendragon. Ok. Donc, Pendragon, elle va... aller aider sa petite pote. Hop, pour Sigmar. Voilà, ok, fait. Ok. Voilà, embuscade.
Il rate. Je peux en mettre un derrière. Voilà, moins 21. Voilà, moins 27. Alors. Voilà, un éclat. Alors, effet négatif, coup du tir et de la visée. Hop. Repentir. Voilà. Bon, alors où est-ce qu'on en est? Donc moins 10 de résistance au corps à corps et plus 1 pour corps à corps et charge. Bon, et tir et visé, mais dans mon cas, je m'en fiche. En positif, plus 2 mètres de distance de déplacement, plus 3 mètres de... Ça me fait plus 5 mètres. Donc ça, c'est cool. Je vais sûrement pouvoir faire un demi-tour, je crois. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Encore un filtre de quelque chose. Alors, lui il a des pistolets à malpierre. Mais il est stupide. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Voilà. Donc, un petit repli. On recharge. Bon, c'est pas grave si on en touche un sur les deux.
En mode protégé, tranquillou. Alors. On change d'arme. On met un gros coup de masse. Voilà. Un deuxième gros coup de masse. Voilà. Et on change d'arme. Voilà qui est fait. Voilà, on se met ici, comme ça on protège. Au cas où il irait pas sur le piège. Hop, moins 20. Raté, dommage. Allez, c'est pas grave. Posture de parade. Le 38 là qui reste là, à mon avis, ça doit être soit qu'il a une armure lourde, soit qu'il a une hallebarde. Ouais, allez, petite charge. Boum, moins 65. Moins 41, cadeau. Et posture d'esquive, voilà qui est fait. A new round has started. Alors lui, il pourrait très potentiellement... Attends, c'est... Ah, c'est lui le 38. Pas de négatif. Il doit avoir... Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, petite charge. Raté. Allez, cadeau. Le général en moins. Ok, non. Pas bonne idée. Voilà, la perception, au cas où. Et c'est pas un piège. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Ah, déjà, il tombe dans un piège. Ah, j'aurais peut-être dû placer quelqu'un à la protection. Oh, purée. Ouais, moins 34, oui. Moins 25. Je vais te calmer tout de suite, je crois. Raté. Je pensais pas qu'il allait aller aussi vite. En même temps, c'est des scavennes. Hein. Posture d'embuscade, d'accord. Ok, donc toi. Toi, justement. Attends, quoi qu'il y a lui et lui.
Je vais me mettre là, au cas où. Et il n'y a rien d'intéressant. Très bien. Voilà, allez, hop, on cogne. Voilà, moins 21. Posture d'esquive. Moins 14, j'ai raté la parade. Il rate. Déjà, hop. Je prends les trois comme ça. L'objectif est rempli. Voilà. Et le dernier. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Moins 2 mètres de déplacement, moins 10 de résistance au corps à corps, empêche le changement d'arme. Ok. Et rien en bénéfique, bien sûr. Hop. Hop. OK. OK, moins 21. Moins 24. Il a réussi son test de stupidité. D'accord. Alors, lui, il est dans la baraque, il va arriver par là. Hop. Il esquive. Ah, purée, c'est vrai, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Alors, je peux pas fuir non plus. Ok, va pour le changement d'arme. Moins 22. Moins 19. Allez, posture d'esquive. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut tester sa capacité à vraiment
se faire prendre en corps à corps. Donc lui aussi il est en posture d'alerte. Attends, on va d'abord taper. Quoique, attends. Changer d'arme. Voilà, moins 27. Voilà, moins 47, cadeau. Voilà, donc. Et il n'y a rien d'intéressant. Ok. Voilà. On continue à taper. Raté. Deuxième fois encore sur du 89. Posture de parade. Hop. La posture d'embuscade en mode caché. Voilà. Hop, l'embuscade par la novice. Ouais, elle a, il a une armure lourde. Moins 31. Je rate, 74. Ok. Alors, 5. Alors, une petite charge. Hop là, moins 76 dans ta face. Voilà, moins 46, bim. Oh, quoique. Je vais peut-être me prendre une torgnole, ouais. Hop, moins 25. Et il va fuir. Alors. Est-ce que je peux fuir à un endroit où ça peut être intéressant? Parce que du coup, lui, il est en posture. Et merde. Oh purée. C'est pas grave. A new round has started. Ok. Un éclat ici. Ah ouais, résistance. Un autre éclat. Alors, effet négatif. Moins 10 de résistance à distance. Ok, moins 37. Hop, on grimpe. Voilà, parce que comme ça en posture d'embuscade, ça peut être pas mal. Il réussit le test dans voilà.
Hop, coup appuyé, esquivé, magnifique. Moins 35. Ah oui, et Agathe aussi qui tape l'esquive, magnifique. Et qui riposte et qui... Oh dommage, oh dommage. Ça aurait été beau quand même. La riposte qui finit par l'achever. Voilà, moins 25, cadeau. Épée, pistolet à malpierre. Bon, un pistolet à malpierre, ça peut bien se vendre. Hop, on rechange d'arme. Hop, un petit tir. Voilà, moins 43, cadeau. Hop, un fragment. Petite recharge, voilà, au cas où. Est-ce qu'on peut ou... Eh ben non. Dommage. Oh, dommage. Autant se mettre un petit peu à l'abri, voilà. Ok, fin de tour, on est bien. Moins 21. Il rate. Alors, toi, tu as aidé ta pote qui est toute seule face à un mec en armure lourde. Voilà, moins 21. Voilà qui est fait. Posture d'esquive. Raté, dommage. Voilà, moins 16. Posture d'esquive, on est bien. Et maintenant, on va rire. Hop, boum, moins 75. Voilà, moins 47, cadeau. Posture d'esquive. Moins 28, j'ai loupé la parade.
Raté. Alors, flétrissement surprend Dragon. Ça passe. Flétrissement sur elle aussi. Ça passe aussi. Et flétrissement. Bah, c'est loupé quand même. Échange d'armes. Posture d'esquive. Mais en gros, tu seras mort au prochain. Oh purée. L'esquive. Alors, le coureur d'égout, qu'est-ce qu'il va nous taper? Voilà. Il se fait prendre au piège. L'embuscade. Être obligé de changer d'arme. Et il a une lance. Et il rate. Magnifique. Je riposte et je le touche. Moins 19. Moins 20. Ok. Donc là, c'est au tour de Bertha. Qui va aller. Hop, une grappe. Ah, plus 10 en point de vie, c'est pas mal. Encore une grappe. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Et qui ça? Lui, qui a une jambe amputée. Ouais, je pense que je vais avoir du mal à les finir quand même. Hein. Enfin, les finir en même temps, je veux dire. Hop. Et on récupère le petit fragment qui dépasse. Voilà. Effet négatif. Coup d'essor plus 1, moins 10% de résistance à distance. Allez, on le cogne. Voilà, moins 35. Moins 22. Moins 22. Et on continue comme ça. Fin de tour. Voilà qui est fait. Moins 28. Hop, moins 24. Magnifique, il y a vraiment tout qui passe. Hein. Hop, posture de parade. Alors. Il tape esquive. Allez, moins 18. Et la posture de parade qui va avec, voilà. Bon, test d'environnement réussi. Magnifique, petite esquive. Et il rate, c'est parfait. Hop, moins 56. Moins 39, il y a tout qui passe, c'est magnifique. Hop. A new round has started. Hop, je vais retarder.
Regard du rat cornu. Mais par contre, ça me vole mon kill. Ça, je suis pas content. Il échoue. Hop. Moins 2 PA max. Ah, la saloperie. Hop, on retarde. Raté, dommage. Moins 20. Moins 32. Cadeau. On descend comme ça, voilà qui est fait. Il rate. Hop, moins 15, parade ratée. Il rate encore. Deux loupés à 71% quand même. C'est vrai que moi je me plains de l'ordi, mais c'est vrai que parfois lui aussi, on va dire qu'il a des petits loupés. Et il n'y a rien là-dedans, bien sûr. Il esquive. Moins 44. Bah voilà. Posture d'esquive. Voilà qui est fait. Oh oui, la parade. Moins 24. Raté. Moins 26. Hop. Hop, 91%, donc 40, moins 49, on recharge et on lui rebalance une savate dans la gueule. Voilà, moins 40. Hop, on se replie. On change d'arme. Ah.
Moins 87, cadeau. Hop. Moins 17. Moins 24. Oh, l'esquive. Voilà. Le test d'isolement. Oh purée, il va partir où? Oh non, ça va, il part pas trop loin. Ah, oh, fait chier. Parce que j'ai un risque de lui faire trop mal en fait. Hop. 44 à 48. Voilà, c'est pas suffisant. Et c'est ce que je voulais. A new round has started. Ah mais il en manque un. Voilà. Dès qu'il va oser s'approcher. Voilà, la parade. Oh, la parade même de Michemoule. Mais non. On ne contre-attaque pas. Ok, moins 19. Ok. C'est qui le 56? C'est lui, non. C'est pas lui non plus. C'est lui. Raté. Moins 22. Oh, quoique. Allez, petite torgnole. Ça, jamais fait de mal. Et on va retarder. Il réussit le test d'isolement. Oh, le critique à Pandragon. Oh là là. Le deuxième critique à Pandragon.
Le troisième critique à Pendragon. Putain, il vient de me mettre trois critiques d'affilée. Sur celle qui est potentiellement la meilleure de mes. Oh, putain, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est peut-être la meilleure de mes ressources. Enfin, c'est, je crois, la meilleure, en l'occurrence. Boum. Cadeau. Voilà. Hop. Toi, on termine. Voilà qui est fait. Hop, voyons voir si je trouve quelqu'un. Alors. Ouais, non, je pourrais pas aller jusque-là. Hein. Attends, on va essayer, on sait jamais. Hop, personne, toujours. Non. Raté. La prière de rapidité. Hop, et la posture d'esquive. Moins 30. On recharge. Et on fait un tir visé. Hop là. Allez, salut. On change d'arme. Et un coup de marteau. Loupé. Ah non, il esquive. Bon, le deuxième devrait être le bon. Allez hop. Pas exagéré non plus. Et il n'y a rien d'intéressant, bien sûr. C'est jamais hein, au cas où ils réussiraient leur jet, mais même si j'y crois moyen, mais bon. Ok. Hop, on replie et on va laisser la place à Mishmoul.
Hop, changement d'arme. Voilà, moins 42. Et le kill final. Voilà qui est fait. Donc voilà, donc la partie parfaite. J'ai pas pu avoir le dernier, mais en même temps, c'est une victoire décisive. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait le plein niveau malpierre, niveau pièces aussi. Parce que j'ai trouvé 63 pièces. Bon, malheureusement, j'ai pas pu trouver, enfin chercher d'autres trucs en fait. Mais je trouve que j'ai déjà pas mal, voilà. Donc Bertha, homme, enfin femme du match. Donc avec énormément de dégâts. Voilà, j'ai juste eu un triple critique sur. Sur Pendragon qui me laisse un petit peu. Enfin bref. Qui me laisse un petit peu sur ma faim, on va dire. Enfin pas sur ma faim, mais. Combien il y a de chances de se prendre un triple critique d'affilée, quoi. Ok, Bertha qui up. Je vais laisser se reposer, je vais laisser l'autre, je pense. Ah, oh, presque, dommage. Voilà, ça continue à monter. L'autre novice aussi. Voilà, blessure légère pour Pendragon. Voilà, la sœur qui up. Agathe qui up. Voilà. L'autre sœur qui s'améliore pas mal. L'augure qui up. Donc ça c'est bien. Ok. Mishmoul qui up. Nickel aussi. Alors. Bon, on récupère pas vraiment de trucs vraiment génial, malheureusement. Donc 4 pièces pour le traitement. Et 100 pour la journée. Voilà, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Du coup, bah, je vais vendre ce que je peux vendre. Hein. Hop, 11. Bière de Bugman. Lui aussi. Champignon bonnet de fou. Pistolet à malpierre. Bah, dague, hop. Bon, les masses, j'en ai quand même beaucoup. Hein. Je vais les garder quand même au cas où, on sait jamais. Marteau à deux mains, Sigmarite. Ok, bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour cet épisode. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour de nouvelles aventures des Sœurs de Sigmar. Salut à tous !